Dis-moi, mon enfant, qu'est-ce que tu vois ? Je ne vois qu'une fillette insignifiante, sans passé et sans avenir. Moi, je vois une ravissante jeune femme, fière et triomphante, qui à de nombreuses occasions a déjà su faire preuve d'autant d'autorité que tous les princes du monde. Et j'ai sans doute connu plus de princes que n'importe qui. Et oui, ma chère, j'ai également été l'un des membres de la cour impériale de Russie. Alors, est-ce que tu es prête à devenir la grande duchesse Anastasia ? Quoi ? Ne regrette rien, plus personne ne t'attend là-bas, ma petite. Ta vraie vie est à Paris. Très bien. Que la leçon commence. Je m'en souviens comme si c'était hier. Tu es née dans un palais près d'ici. Un palais près d'ici, c'est inouï. C'est pourtant vrai, tu montais à cheval à 3 ans et demi. À 3 ans et demi? Le cheval était blanc. Tu t'amusais à terrifier le custeau. Tu l'as mis à l'eau? Moi, tu crois? J'en suis sûr. Mais on te grondait quand tu en faisais trop. Essaie d'imaginer ton passé oublié. Tu as tout à apprendre et laisse le temps nous est compté. D'accord, je suis prête. Bon, fais comme moi et tiens-toi droit. Il ne marche pas, il faut que tu flottes. Je me sens un peu idiote, est-ce que je flotte? Comme un petit yacht. Une révérence. Après je danse. On te fait un baise-main. Mais surtout rappelle-toi bien. Si moi je tiens mes promesses, toi tu feras des prouesses. Répète-toi sans cesse que tu es une princesse. Mais t'es pas dans les miens, un par un. Tu vois, tu fais ça très bien. Bon, rentre les coudes et tiens-toi droit. On ne reprend pas de stroganoff. Je goûte fort peu le stroganoff. Elle dit ça comme une Romanov. Le samovar. Le caviar. Dessert épi, bonsoir. Pas avant de bien savoir. Si moi je tiens si mes promesses, promesses, toi tu feras des prouesses. Et si tu prends sur toi, tu t'en sortiras. Dis-toi que c'est facile. Du tout cuit, tu pourras le faire aussi. Bien, apprends le nom des membres de l'aristocratie. Par exemple, Kropotkin. Tu as Potemkin. Hémoglobine. Oh. Et ce cher oncle Vania aime la vodka. Ça y est, Anya. Non. Le baron Prouchkin. Était. Rôle contre Anatoly. Avec. Un bouton. Le comte Serrière. Eh mais chocolat. On dit qu'il est devenu très gras. Alors il ressemble à son chat. On lui a jamais parlé de ça. Si je veux être une altesse, je dois faire des prouesses. Comment fais-tu, duchesse? Je tiens mes promesses, je me sens différente, j'y prends goût. Anya, tu es un rêve pour nous. Si nous tenons si nos promesses, promesses, toi tu feras des prouesses. Et si tu prends sur toi, tu t'en sortiras. Dis-toi que c'est facile, voilà tout. Tu seras notre altesse, une vraie princesse. Le monde attend.